Bon. Alors, j'ai dit aujourd'hui, je vais te montrer comment faire un peu le bruitage du cinéma. Ça marche. Si ça t'intéresse de voir. Mais J'ai déjà commencé en te montrant déjà Désolée, ce qu'il y a de plus pire. Donc, pour commencer, ce qui est le plus facile, ce sont les épées. J'adore tous les épées dans le cinéma. Mais en fait, les épées, quand il y a des combats de guerriers, c'est pas mal ça. toujours des combats, des épées. C'est pas mal. Là, ce sont les épées, hein. Ils se tapent avec les épées quand ils se cognent. Hein. Ça, c'est les épées. Maintenant, après les épées, je vais te montrer maintenant tout ce qui est pour le cheval. Le cheval, d'accord. Le fameux cheval, comment ils font les chevaux dans les films. C'est deux entonnoirs, hein. Après. D'accord. Difficile de faire le plein, mais après ça c'est les chevaux. Oui. Puis maintenant c'est les oiseaux. Les oiseaux. Comment font les oiseaux? En fait, il faut prendre des. Quand les oiseaux s'envolent, par exemple, d'un près d'un étang, puis ils s'envolent parce que tu leur fais peur. C'est pour les oiseaux. Ils s'envolent. Donc ça c'est très bien. Voilà, ça c'est. Puis maintenant, la pluie. La pluie. Pour faire la pluie quand il y a la pluie qui pleut. C'est la pluie. Voilà. Et après, maintenant, je vais te montrer comment faire un grincement. D'accord. C'est peut-être désagréable, mais c'est un grincement. Pas de souci, sur les oreilles. D'une porte ou bien un grincement d'un portail, voilà, d'un portail. Il faut des portails Ça, c'est le portail. Ça grince les oreilles. Voilà, moi j'ai montré ça. Maintenant, tu vas essayer de faire des bruits maintenant. Oui. Alors, je vous présente un bobouche. Une gomme-mouche, d'accord, oui, ok. Un gobelet les mouches. Ouais, voilà, une gomme-mouche, d'accord, c'est ton histoire, c'est ton idée. Et puis là, c'est un tape-tapis. Un tape-tapis, voilà. Mais ça, c'est vrai, un tape-tapis. Oui, c'est vraiment ça. Un tape-tapis pour enlever la poussière. vraiment ça, ouais. Et puis, je vous présente aussi, pour applaudir, mais voilà. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Voilà, ça c'était les sons qu'on a décidé de vous montrer un peu, ce que l'on connaît un peu dans le son du cinéma. Mais voilà, alors ça c'est la base que l'on peut entendre dans les cinémas. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, mais bien sûr on n'a pas tout le matériel. Mais là je vous ai montré un petit peu qu'est-ce que c'est les bruits principaux, les grincements de porte. Et après bien sûr on peut aussi prendre une porte et puis la claquer aussi, c'est aussi quelque chose. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas à faire des conneries maintenant, tu viens maintenant, hop! Ah, lève-toi! Voilà, bon, on va continuer la suite des bruitages. Ouais. Comme je vous dis, on va continuer la suite des bruitages. On va faire maintenant la machine à écrire avec un ciseau. Faire le tic-tic-tic de la machine à écrire. La machine à écrire. Pas mal, hein? Machine à écrire, Bravo. voilà. Et maintenant, ça c'est la machine à écrire. Et maintenant, on va faire un cow-boy qui s'approche Oh, d'un endroit. un cowboy. Un cow-boy qui veut faire un combat de cow-boy. Qui marche dans le vieux plan oui. Voilà exactement un cow-boy qui marche. Quand il y a ces duels de cow-boys. Le cowboy. Voilà, ça c'est fait.
Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est le feu. Il faut vraiment bien écouter, c'est le feu, les pépitements du feu. Quand le feu il pépite dans une cheminée, par exemple. Où il y a les braises là qui font. Ça, c'est le feu avec. C'est bien trouvé ça. Ouais, ça s'est bien trouvé, hein. Oui. Voilà, puis maintenant, j'essaie de faire quelque chose, quoi. Alors, on va essayer l'interrupteur d'une lampe à bureau. Allumer, éteindre. Éteindre, allumer. Ouais, génial. Et puis maintenant, les glaçons. Dans un verre de biscuit, par exemple. Dans un verre de biscuit. Quand il se promène avec sa cuillère et puis il se couche de glaçons. Ça, c'est génial, ça. Merci. Et puis maintenant, à votre santé. Voilà, exactement. On va tous boire un verre et c'est la fin de la vidéo, malheureusement. J'espère qu'elle vous aura plu, cette vidéo. Tous ces sons qu'on vous a montrés, j'espère que ça pourra vous rendre utile pour une prochaine film de votre part. Avec ma petite choupette mini. Voilà, alors moi je vous dis à bientôt, puis merci d'avoir À regardé cette vidéo. bientôt. Une grande bonne année 2019. Au revoir.